Good morning, allez, Iden Netus, aujourd'hui, le Nishmat, Avram, Nechai Norbert, Ben Fortuné Mazal, Chaya Bat Tova, Rachamim Ben Rosin, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah pour l'école de sa communauté éternelle, nous étions à Sachet Bechorot, Perek Vav, Mishnah Yodalef. Znava Egel, Shena Magalt, Larkov, Amro Chachamim, Kol Mabit, Agalim, Ken, Kozvan Shem Magdilim, Emnim Tachot. Leize Arkov Amro, Rabbi Chanina Ben Antignos, Omer, לערכוב שבאמצע הירך. על אלו מומין שוחטין את הבכור ובסול המוקדשין נבדין עליהם. Bon, depuis le début du chapitre Vav, on explicite tous les défauts qui invalident un corban, de manière générale, et plus précisément, le bechor qui vont l'invalider au point où on va pouvoir faire la shrita du bechor. D'accord ? On est dans Prorot, on n'est pas dans les autres corbanotes, mais de Prorot, on apprend pour les autres corbanotes. Dans Prorot, donc, il y a une petite différence à dire. Je pourrais vous représenter encore une fois. Tout Corban, la Torah, elle insiste, elle nous dit Tamim. Zachar Tamim, écrivez-nous des Kevat Mima. Toujours, il faut apporter un Tamim parfait, qui n'a aucun défaut. Tous les membres doivent être parfaits, symétriques, comme ce qu'on a appris depuis le début du chapitre. On a appris toutes sortes de défauts, des yeux, des dents, de la dentition, du nez, des jambes. D'accord ? Et donc, dès que l'animal il va avoir un défaut, qui est explicité dans tout ce chapitre, alors, ça s'entraînera qu'on ne pourra plus en faire un corban. Et de manière générale, si tu ne peux plus en faire un corban, eh bien, pour un autre, pour le commun des corbanotes, dans ce cas-là, tu devras racheter la gdoucha, la faire passer sur un autre animal, tandis que pour le béchor, eh bien, tu pourras tout simplement lui faire la shrita, il n'aura plus de gdoucha. D'accord ? Ça, c'est ce de manière générale. On en reparlera encore une fois à la fin de cette Mishnah, parce que ça, on va en fait résumer par là tout le chapitre pour pouvoir passer au prochain chapitre, ou plus précisément la dernière Mishnah qui est un peu une charnière entre les deux. Et donc voilà, on a appris maintenant, donc, on a évoqué durant tout le Pérec, on a évoqué toutes sortes de défauts, et dans notre Mishnah, on va prendre un défaut par rapport à la queue. Pour rappel aussi, on avait déjà appris un petit défaut par rapport à la queue en parlant des os de la queue. À présent, on va parler de la taille de la queue. Znava Egel, je vous dis tout de suite, j'ai eu un problème de lecture de Mishnah. J'ai pas réussi, d'après ce que j'ai compris, en lisant bien calmement le Barthénora et le Rambam, il y aura une petite nuance comment lire la Mishnah. Vous allez tout de suite comprendre qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il va y avoir une phrase, on ne sait pas ce que c'est une affirmation, ou ce que c'est, on lance un sujet, et puis après il y a Ramim qui vont venir parler, est-ce qu'ils sont venus dire autre chose, ou est-ce qu'ils répètent la même chose et la justifient. Il y a un petit problème comment lire. Je traduis littéralement, et avec, on a une virgule devant nous, donc on lit comme ça. Znava Egel She'ena Magat la Arkov. Arkov, avec un Aïn, pas avec un Aleph. Arkov, ça correspondrait au genou, à la jonction entre le fémur et le tibia chez les hommes. Je ne sais pas si chez les animaux ça a les mêmes noms. En tout cas, le fémur, c'est celui qui sort depuis le bassin, depuis la colonne vertébrale, qui est rattaché, qui commence la jambe. Donc la phalange du haut de la jambe. S'il y a trois prakim, alors c'est celui du haut, et le tibia, c'est le deuxième. Chez les animaux, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de paume de la main, il y a plutôt une patte qui remonte, mais ça se considère comme une patte. D'accord. En tout cas, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que la taille, donc la jonction entre le premier os, le fémur, qui se rattache au tibia, là, donc ça correspond au genou chez nous, eh bien, ça, chez l'animal, c'est beaucoup plus haut, c'est recouvert tout ça par le bas du ventre, en fait. On voit juste un petit bout sortir. Eh bien, donc, la Mishnah m'enseigne que la queue du veau qui n'arrive pas au arkov, qui n'arrive pas donc au genou, qu'on va appeler ça le genou, ça n'arrive pas à la jonction entre ces deux os. Question, c'est une affirmation, on ouvre le sujet, c'est ce que j'ai pas réussi à comprendre. Ça dépend en fait comment on va comprendre qu'est-ce que Khamim ils vont nous dire. Amrou Khamim, donc on a ajouté le sujet apparemment, on a ouvert le sujet. La queue du veau qui n'arrive pas à cette taille, Amrou Khamim on dit, Kol Marbita Agalim Ken. Tel est le commun des agalim des veaux, qui est ainsi, qui a une taille pareille, donc que ça atteint le genou. Kolzman Shehen Magdilin Hem Nimtachot. Tant qu'ils vont grandir, elles vont se rallonger. C'est-à-dire, Rachamim, ils sont venus nous dire une chose. Ils sont venus nous dire, tel est l'usage, le commun des veaux qu'on rencontre, ils ont tous une queue qui est aussi longue que ce que tu as précisé, qu'elle doit atteindre le harakov, le genou, et que mieux que ça même, plus ils vont passer du temps, plus ils vont vieillir, plus leur queue va se détendre et elle va se rallonger. Qu'est-ce qu'ils sont venus dire, Chachamim, par rapport à Tanakama? Là, c'est la petite difficulté. Du Barthénora, j'ai l'impression, peut-être que j'ai compris du Tosotem Tov qui explique le Barthénora,
Alors, on dirait que c'est juste, ils viennent juste, justement, Rami vient justifier la halakha, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord qu'en réalité, sache que tu vas prendre un petit veau, la taille de la queue du petit veau, elle doit atteindre déjà le genou. Sa jonction entre les os. Et ils sont venus te rajouter aussi, alors, parce que ça implique aussi d'halakhot, en tout cas, ils sont venus te préciser en te disant, et plus le temps il va passer, plus ça va grandir. Donc, quoi? Parce que c'est une aussi m'apprendre que sache que si. Chez un veau plus vieux, enfin qui est devenu donc un taureau, la queue devrait être nécessairement plus longue, sinon ce sera invalidé. Je sais pas, c'est plus précisé, ça n'a pas l'air. D'accord? D'après le Barthénora, il y a en réalité une discussion. D'après le, excuse-moi, pas le Barthénora, d'après le Rambam, tel que j'ai compris, et du tout ce que aussi comme ça que j'ai déduit, que il y a une discussion. Que Tanakama, lui, il a besoin d'avoir nécessairement la queue qui atteint le genou. Tandis que Rabbi vienne. Et te disent non, tu sais, même si ça n'atteint pas encore, si tu vas patienter un petit peu, tu vas voir que ça va finir par l'atteindre. Donc c'est pas encore un défaut. Comme ça ressort, tel que j'ai compris. Peut-être que quelqu'un qui a plus de connaissances du terrain, quoi, à quoi ressemble les veaux et tout ça, il pourra mieux me diriger, mais en tout cas, tel que ça, c'est comme ça que ça ressort du Parthénora du Rambam. Je continue ensuite. Maintenant, les Arkov Amrou, à quel Arkov? De quel Arkov? Parce que le mot Arkov, apparemment, ça signifie une jonction entre deux os. Donc la Mishnah me le demande en fait. Tu me parles que la queue doit atteindre le Arkov. Mais de quel Arkov tu parles? Celui du haut, celui du bas? Celui d'un jonction, en fait, qui correspondrait en fait chez nous à la cheville ou au genou? Alors, Rabbi Hanina ben Antignos, mais Rabbi Hanina ben Antignos nous dit les Arkov chez Be'emtza Hayarer. On parle de la jonction, du genou, quoi. Qui se trouve au milieu de la jambe. Si tu prends la jambe brute, tu prends le milieu, et eh bien en général, tu seras beaucoup plus proche en fait du genou que du tibia. D'accord? Al Elo Momit, maintenant on conclut toute notre chapitre, c'est pour introduire la prochaine Mishnah. En me disant, tout ce que je t'ai appris maintenant, Al Elo Momit, Shochatinatabechor, pour tous les Momins. Pour tous ces moumines que je t'ai évoquées, tu pourras faire la shrita du Bechor, du premier-né, donc tu pourras aller faire la shrita chez toi, ou psula mugdashin nivdin alehem. Et les animaux, psula mugdashin nivdin alehem, et donc les korbanot qui auront été invalidés à cause d'eux, pourront être rachetés. Ouais, les psula mugdashin, les korbanot invalidés, Nifdin Alen pourront être rachetés, leur faire un pidion, racheter leur kdusha, les transférer sur quelque chose d'autre, si toutefois il y a eu tous ces défauts, un de tous ces défauts qu'on a évoqués depuis le début du chapitre. C'est en fait cette fin de Mishnah, c'est une introduction pour te conclure. Tout ce que je t'ai ouvert, toutes les options que je t'ai évoquées durant tout le chapitre, par rapport à la prochaine Mishnah, on apprendra justement qu'il y a des défauts pour lesquels on ne va pas faire un korban, on ne va pas pouvoir le monter le mizbar, mais surtout on ne pourra toujours pas ni le racheter, ni le béchor pourra être consommé à l'extérieur du matamigdash, parce que ce seront en fait des défauts qui seront plus passagers. Momentanément, c'est invalide, mais c'est plus, ça n'invalide pas intrinsèquement. D'accord? Voilà pour la présentation de Mishnah. Une petite précision aussi, c'est que ça a rapporté dans le. Je ne sais plus, Israël. Ouais, dans le Barthénois lui-même. Et il nous dit, attention, c'est un peu lourd, on a commencé le chapitre en te disant « Tels sont les défauts pour lesquels tu pourras égorger le Bechor. » Et on a commencé à tous les citer un après l'autre, de la tête aux pieds. Et finalement, tu finis toute cette série, et tu commences à me dire « Et tels sont les défauts pour lesquels tu pourras égorger le Bechor. » C'est une répétition un petit peu lourde, apparemment. Et le Barthénois est venu nous enseigner, pour nous dire, et il nous rapporte la Gemara, qui nous dit qu'en fait, qu'on a besoin de conclure ça, pour te dire que sache que même les défauts que il a, vous rappelez le docteur, il a le médecin, le vétérinaire qui avait été dans la prochaine Mishnayot, qui avait rajouté qui avait allongé la liste, et bien la Mishnah ici elle est venue approuver toutes ses décisions en disant que même tout ce qui t'a enseigné il a, que c'est aussi des défauts, et bien c'est en vigueur, et tous ces défauts qu'on a évoqués durant tout notre chapitre, pour tous ces défauts-là, on pourra faire la Shrita au Bechor. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, c'est là.